Précédemment, dans mes courts-métrages, nous avons vu le retour inattendu de deux petites amies qui s'étaient perdues. Vous vous souvenez d'elles? Les deux bananes terreur de l'île de Fortnite. Ensuite, notre ami Morty, le petit-fils de Rick, s'est fait kidnapper par Midas et Miaouss Clé Sombre. Et bien sûr, Midas a fait la rencontre de son plus fidèle ami, ou plutôt ennemi, Chaos. Et ça s'est pas bien passé. La prochaine fois, pour pas louper ces vidéos, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche des notifications, c'est 100% gratuit. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément, ainsi que le code créateur Team WoW dans la boutique. Et merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ce sale gosse ne va pas s'enfuir. Je dois lui trouver à manger, sinon elle va mourir de faim. Et là, Midas il m'écrasera ma tête et... Oh! Ouais, un camion de bouffe! Miaouss Clé va s'emplir le ventre. Ouais! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des cannes à pêche! Des cannes à pêche pour pêcher le poisson! Poisson... Patrouille, je vous ordonne de détecter et tuer tous les humains. Vous m'avez bien compris, soldat? Oui, capitaine. Bien, très bien. Ils n'ont aucune chance. Je me demande ce que c'est que cette grosse cerise. Est-ce que ça se mange? Si jamais je me casse les dents dedans et... Qu'est-ce que... Cible repérée. Droit devant nous, un humain. Décrédez votre identité. Non, pas les aliens. Écoutez, je ne suis pas un humain, d'accord? Moi aussi, je veux tuer des humains. Ça, nous n'avons aucun moyen de vérifier. Alors, tu vas mourir. Non, mais non. Moi, je les mange, les humains. Si vous n'êtes pas un humain, qui êtes-vous? Non, arrêtez, non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi tu me tournes autour, toi? Bouge de là. Est-ce que tu veux goûter aux griffes de Miaouss Clé? Calmez-vous, si vous n'êtes pas un humain, vous ne risquez rien, sinon vous êtes mort. Moi aussi j'ai une arme. Miaouss Clé aussi, il a une arme. Est-ce que vous voulez essayer, hein? Au moindre faux pas, éliminez-le. Miaouss Clé se rend, il n'est pas du côté des humains. S'il vous plaît, ne tuez pas Miaouss Clé. Si vous n'êtes pas un humain, vous ne risquez rien, sinon... Non, arrêtez, attendez. Tiens, arrêtez immédiatement. Non, tu ne m'auras pas. Crève. Je ne sens rien. Et maintenant, la boîte secrète de Miaouss Clé. Personne ne peut y résister. C'est un humain, je vous en donne. De l'éliminer. Tuez-le. Ne bouge plus. Non, c'est bon, Miaouss Clé se rend, d'accord. C'était une démonstration de ma force. Avec cette arme d'humain, tu es mort. Non, c'est bon, j'aime pas les roquettes. Moi, ce que j'aime, ce sont les croquettes. Tu vas mourir. Non, arrêtez. Miaouss Clé se rend, il a dit. Tu es tous les humains. Non, je plaisante. Jamais de la vie, vous n'attraperez le grand Miaouss Clé. Ombre. Vous allez tous mourir, sale alien. Sans vos soucoupes, vous ne valez rien. Éliminez-le tout de suite. Vous ne valez rien sans vos soucoupes. Miaouss Clé va vous anéantir. Tu parles beaucoup trop à mon goût. Voilà, on est là. Bon, maintenant, il faut que je nourrisse le gosse. Ton chemin s'arrête ici, Chaos. C'est la fin pour toi. Tu ne peux plus rien contre moi. Mais comment ça se fait? Comment as-tu fait? C'est impossible. Tu aurais dû mourir, Chaos. Je peux pas y croire, non. Eh bien pourtant c'est bien le cas. J'ai de nouveaux pouvoirs, comme tu peux le voir. Et regarde, ça te rappelle pas des souvenirs, ta petite Julie. Je trouverai un moyen de te tuer. Tu finiras bien par mourir. C'est ce qu'on va voir. Je n'abandonnerai jamais. On doit aider notre chef. Couvre-moi. Nous allons entrer. Allez, c'est parti. On y va. Il doit être en haut en train de se battre avec le fameux Midas. Il faut le tuer
Bah alors, mon petit Midas, on est énervé. Je vais bientôt effacer ce sourire de ton visage. Baisse ton arme, Midas. Tu crois vraiment me faire peur, toi? Je t'ai vu venir, mais... Tuez-moi, ce minable! Tu es vraiment insignifiant pour moi. Tu ne vaux rien! Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Maître, nous allons l'éliminer! Oh ouais, j'ai hâte de te voir te faire massacrer! Essaie un peu pour voir. Vous allez tous crever! Tous! Cours, mon petit lapin, cours! Vas-y, Midas, offre-moi du spectacle! Allez, je te couvre! Ouais, compte là-dessus. Je vais lui en mettre une. Vous allez me le payer, ça. Ah! Je suis touché! Il m'a touché! Vous avoir. Vous pourrez pas vous cacher éternellement. Couvre-moi, il m'a touché. Vas-y! Petit! Crève! Te voilà, j'en demandais pas tant. Suivant. Non, je vais le... Alors, tu tires ou pas? Comment as-tu fait? Tire-moi dessus. Ça fait mal. Par contre, toi, t'auras plus jamais mal. Chaos, je viens te chercher. Eh ben viens, qu'est-ce que t'attends? Chaos! Finissons-en! Maintenant, vas-y, viens si t'es un homme. Wow, Midas, j'ai une surprise pour toi. Jamais je ne me rendrai, mais je suis prêt à mourir si ça peut te tuer. Dès que j'appuierai sur ce bouton, on est mort. Quoi? Non, tu n'oseras pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Adieu, mon cher Midas! Chaos? Non! Non, ne fais pas ça! Tu nous condamnes tous les deux, non! Il semblerait que j'ai survécu, mais pas toi, mon cher Midas. Ton histoire touche à sa fin. Ouais, ça va, j'arrive. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois qu'il y a un message. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Attends, je regarde. Ça, c'est ton petit-fils. Si tu veux pas que je le tue, je te conseille de me dire où est l'entrée secrète du trésor à Midas. Non! Morty! C'est pour ça que je le trouvais plus! Moi qui croyais qu'il jouait à cache-cache! Morty! Morty! Non! Il faut que j'aille le chercher! Morty! Vive les aliens! Vive les aliens! Bienvenue sur Terre! Prochain arrêt, anéantissement de Believer Beach! Regardez ces idiots! Ils nous vénèrent! S'ils savaient ce qui les attend. Vive les aliens! Vive les aliens! Bienvenue sur Terre! Imbécile, tu... Si vous saviez que vous allez mourir... Vive les aliens! Élimination immédiate, 3, 2, 1... Cible éliminée. Les aliens, ils m'ont touché avec la roquette. J'ai tellement mal. Ça y est, tu es réveillé, sale gosse. Lève-toi. Oui. Ils m'ont blessé grièvement. Oui, tu vas mourir. Il y a une roquette qui t'a touché, décidément. Je suis vraiment désolé. Désolé. Où est-ce que je vais pouvoir planquer le corps avant qu'il crève? Non. Miaouskli, réfléchis. Non, s'il te plaît, non. Tais-toi! Ça m'empêche de réfléchir! Miaouskli réfléchit. Morty! Morty! Tiens bon, Morty! Papy arrive! Morty! Toi, ne bouge plus! Bouge plus! Miaouskli se rend, c'est bon. Il y a une roquette qui l'a touché, je me bats. Ne bouge plus, sinon je te pulvérise! Allez, mon mignon, pose ton arme! Dépêche-toi, doucement. Qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds! Morty, mon garçon! Grand-père, j'ai pris une roquette des extraterrestres. Ils m'ont tiré dessus. Je vais mourir. Non, Morty, ça va aller. Viens dans mes bras, voilà. Je vais t'emmener en bas, viens voir. Voilà, là, tu seras mieux. C'est bon, tu te sens mieux? Grand-père, je vais mourir. Oh, je t'aime tellement, mon garçon. Je ne veux pas te perdre.
Grand-père, ne t'énerve pas. C'est pas de la faute à Miaouskle. C'est juste que... c'est les aliens, ils m'ont tiré dessus. Miaouskle, c'est de ta faute. Je vais te tuer. Mais grand-père, il n'y est pour rien. Miaouskle a pas fait exprès. Moi, je le gardais juste en otage. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça se fait? Qu'a-t-il pu arriver à mon petit-fils? Je vais te tuer! Trêve! Grand-père, non, grand-père, je me sens mal, je crois que je vais mourir.